après moi. Allez. Venez, venez. Venez, venez. Seul est face à un sujet pareil où la mer méditerranée. C'est le chaos du monde que nous voyons. C'est les conséquences qui nous met à piller les ressources africaines. Il n'est même plus gouverné, il est dans le chaos. Arrêtez les logiques de guerre. Les populations étrangères, c'est une réalité aussi. Donc maintenant, on est dans une situation où c'est ce que vous vous dites qui renforce l'extrémisme. Quand vous dites que l'immigration pose un problème, il faut aussi parler des avantages de l'immigration. Parce que moi, quand je travaille, les citoyens productifs. Après, il faut voir, il y a une minorité qui vient, il y a des morts, certes. Mais je voulais souligner une chose. Le discours que vous avez, il est encore légitime tant que l'Afrique restera muette. Et moi, aujourd'hui, je voulais m'indigner pour le silence de l'Union africaine. Arrêtez les logiques de guerre. Ce sont mes enfants. Se noient tous dans la Méditerranée. Vous parlez de ça, des morts de Méditerranée, mais vous ne parlez pas de l'enrichissement de vos pays par ces immigrés. À la main, et tous ceux qui ont été à la main, ils ont posé. Ils passent le temps à véhiculer dans les informations, la mondialisation va faire. Et là, vous avez déjà volé l'information. Et toi, tout ce que tu te dépends à faire, tu ne peux que ton homologue africain. Vous voyez donc que c'est dans la même merde. Vous voyez donc que c'est dans la même merde. Et quand je dis que le marché comme ça, je ne rends pas compte que je donne encore de la puissance au connard. Parce que le connard veut se diviser pour mieux régner. Donc on est beaucoup plus malin que ça. Tu dis encore, oh le marché soit comme ça. Ah, les Africains, moi, ce que je constate, moi je travaille sur l'Afrique. Ce que je constate, c'est que l'histoire des migrations, c'est l'histoire de la mondialisation. C'est-à-dire que l'Europe a envoyé entre 1850 et 1914 50 000. On ne doit pas accueillir la misère du monde. Moi, je trouve ça extrêmement choquant. C'est pas la misère qu'on accueille. Ce sont des gens qui ont des compétences. Ce sont nous. Ce sont nous à un autre moment de notre histoire. Et ce qu'on voit, c'est que les flux de migration s'inversent. Par exemple, les Portugais ont colonisé l'Angola. Les Angolais sont venus travailler au Portugal. Mais aujourd'hui, l'Angola se développe. Vous parliez du Portugal tout à l'heure. Eh bien, les Portugais vont s'établir en Angola. On voit la même chose entre le Cameroun et la Guinée. Quand toi, ils t'abandonnent. À l'instant même, ils te foutent dehors. Est-ce qu'eux, ils se cachent à bord? Une solidarité convenable, là, ils l'utilisent
Par contre, ils sont embêtés à l'idée d'avoir mon frère qui n'est pas aussi diplômé que moi et qui pourrait avoir peut-être envie de travailler dans le bâtiment. Donc, d'accord, ce mouvement, ce déplacement de population, on le voit. Mais on ne voit pas le mouvement des Européens. Le plateau 1-1-1. Taux de chômage qui cause la mortalité bestiale, qui cause la misère du monde, qui appauvrit les autres au profit des autres, qui sont les champions à se culpabiliser, qui sont les champions à dire les autres sont coupables et très misérables, qui proclame et viole le territoire, qui manipule les médias, qui donne des fausses informations au monde.